Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, aujourd'hui nous faisons encore un autre top musique. Top musique en français. Et bon, on va découvrir une chanson un peu fun et on va aussi parler de animé. Animé, bah, parce que en fait, c'est une chanson que j'ai découverte dans en regardant un animé qui s'appelle School Rumble. School Rumble, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un gars, c'est un peu bizarre quoi. C'est un gars, il essaie de poursuivre une fille, et la fille, elle est amoureuse d'un autre gars. Enfin, un truc débile quoi. Mais bon, en fait, l'histoire est débile, mais je sais pas, j'ai bien aimé. Mais je sais pas vraiment, parce que j'ai regardé toute la série et puis j'ai vraiment trouvé ça. C'est addictif quoi. Je regarde et puis je regardais l'épisode suivant jusqu'à la fin. Et c'est des trucs niais, quoi. C'est des histoires entre garçons et filles. Mais le truc qui m'a vraiment marqué, c'est la musique de fin. Oh, la musique de fin, elle est géniale. La musique de fin dans cet épisode. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les caractères dans cet animé. Bon, je parle un peu de l'animé. Les caractères dans l'animé, ils sont vraiment. Je sais pas, ils sont un peu adorables. Le gars, il est tout le temps obsédé par cette fille, et puis la fille, elle est obsédée par l'autre gars. L'autre gars, il est un peu robotique, quoi. Mais au fur et à mesure, il y a aussi les autres caractères, les caractères secondaires, qui deviennent un peu primaires à un moment, parce que bon, c'est quand même des caractères intéressants. Et l'un des caractères que j'ai bien aimé, comment on s'appelle déjà? Oh. Ah oui, alors il y a les caractères. Kenji Harima, ça c'est le personnage principal. Puis il essaie de poursuivre Tenma Sakumoto. Mais à travers la série, il y a d'autres personnages que j'ai trouvé. Il y a une fille que j'ai trouvé vraiment très adorable, c'est Yakumo Tsukamoto. C'est la sœur de Tenma. Toute timide et mignonne. Aussi Erisawa Chika, qui c'est une fille de riche, mais je sais pas, elle a un certain charme. Et puis tous les autres caractères. Bon, on va pas parler trop de l'animé, mais en fait, on va parler de la chanson de fin de cet animé. Ça s'appelle. J'arrive pas à penser. Ona no ko otoko no ko. C'est une chanson japonaise de Yuko Ogura. Allez, on se regarde ça. Thank you.
Bon. Ouais, c'est une petite belge, une petite chanson mignonne, hein? Yuko Ogura. Très, une fille très mignonne. Elle a une manière un peu bizarre de courir, hein, en slow motion. Je sais pas, ça n'avait pas l'air naturel. C'est bon. L'animé a beaucoup de bonnes chansons. Hein. School Rumble, je sais pas s'il y a un titre français. Mais bon, il y a pas mal de chansons très intéressantes dans l'animé. Ouais, bon, c'est un animé très sympa, je trouve. Mais bon. Ok. Ouais, j'avais. Ouais, la semaine dernière, j'avais fait une top musique sur Végétaire. Je me suis dit, bon, on va changer un petit peu. Et après, on peut revenir à Végétel à un moment. On va voir. Ok, ben merci. Et à plus tard pour une autre top musique ou une autre vidéo. Et à plus tard. Ciao.